extra special and end up with something extra sparkling. You'll find... Now the M3's waiting, 520 break in case we cook bacon. Yeah, we're dusting the gathers, American police marshal, no matters, madder than hatters. Bottles get battered, gala get daggered when the lads get paggered. Kickstarter up, charred up, the boys are hard as fuck. Let me go round the back and park the truck, drop a full grenade and sniff half a slug. Because he's moving, muscles we're losing, battering, bruising, cruising. Let me drop bombs like Putin, let the chicks in, no pens to the creeps in. Pop bottles and wheelies, easy, got more mice than a genie. Des petits essayages Pretty Little Thing. Donc là, une story où je vais un petit peu plus communiquer avec vous et vous parler de la qualité des vêtements. Donc cette doudoune, je l'ai déballée déjà la semaine dernière. Je vous l'avais montré, je vous avais dit que j'avais trop kiffé dessus. Donc il n'y a pas de capuche. Elle est chaude. Je l'ai portée déjà plusieurs fois depuis que je l'ai reçue. Voilà, j'aime beaucoup le zip comme ça, argenté. Je trouve ça canon. Vous avez des poches ici qui se ferment avec un petit clips. Et voilà, je la trouve vraiment très très belle. Elle ne s'arrête pas trop bas. Pas trop haut. J'aime beaucoup le style de cette doudoune. Qui concerne le reste de la tenue, donc ça c'est un petit crop top que j'ai pris de chez eux. C'est un basique. Il y en a plusieurs, enfin il y a plusieurs couleurs, donc il est dispo en plein de couleurs. C'est un basique de chez eux. Voilà, j'aime bien le style que ça a. Voilà, et le pantalon aussi. Donc je vais vous mettre le lien et du haut et du pantalon. Je vous les ai montrés la semaine dernière aussi, mais du coup je vais vous remettre les liens aujourd'hui. Pantalon, les filles, que je viens de vous montrer en beige, je l'ai aussi récupéré en noir hier au showroom, au siège à Pretty. Ils me l'ont donné. Je leur ai dit que j'avais trop aimé le beige et du coup, ils m'ont passé le noir. Il était sur le portant du live TikTok d'hier. Donc, je suis trop contente.
Guys, bon, je pense que j'apprends rien à personne. C'est magnifique. C'est ma pièce préférée ici, voilà. Parce que ça sent bon, ça sent ça. J'ai pris celle-là, il n'y avait pas les roses. Il n'y avait plus du 36. Hein. Vous savez pas qu'elle fait ça tout le temps. Dès qu'elle a un plaid. Et qu'est-ce que t'es en train de faire, Fifi? Non, mais attendez, c'est juste exceptionnel, hein. Non, il y a Rebecca qui a envoyé qu'il y avait un nouveau sandwich chez Quick à la truffe. Regardez, s'il vous plaît. Qui a déjà goûté? Et non, on va dire la vérité jusqu'au bout. Elle a dit, dès que je rentre, je vais au Quick. Ça, c'est un. D'accord. Et deuxième chose, je vais la pookie tout de suite. Et si elle ment, on va aller dans sa pellicule. Elle a pris en screen le sandwich. Ouais, j'avoue, j'ai pris en screen. Juste pour pas louper son sandwich. Elle va y aller illico presto. Dès qu'elle rentre. Raclette. Mais j'avoue que regarde. C'est une dingue. Franchement, le fromage là. Oh, aïe, 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 aïe. Y a l'heure est grave. Regardez les réponses que j'ai reçues. Quand j'ai mis, bah comme j'ai mis une musique à Burden, j'ai dit ça y est, maintenant ils vont dire que je sors avec un caps. Parce qu'apparemment, les musiques que je mets déterminent l'origine de la personne que je fréquente. Donc j'ai dit, là ils vont dire que je sors avec un caps. Regardez les réponses. On peut pas être radical comme ça. Oh là là. Attendez, c'est rien ça. Fifi, reste loin des caps, s'il te plaît. J'adore mon pays, mais les mecs caps, évite. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de nous dire. Il n'y a que les caps qui peuvent gérer les caps. Hey, t'abuses, toi? Genre? Non, ils sont très beaux, mais... Chacun se gère des... Mon cousin, c'est sûr. Ça veut dire que ton cousin, il est beau. Ouais, ça veut dire ça. Moi, je... Tu m'étonnes, eux, ils savent tout. Eux. Ils savent si j'ai le chauffage chez moi, ils savent... Si j'ai un mec qui sait ce qu'il fait dans la vie. C'est comme en Thaïlande, il m'avait dit quoi? Que j'étais partie avec un gars du 9-3. non, il m'avait inventé avec un sportif. Et après, ils avaient inventé avec un gars de Montreuil. Ils savent toujours tout, eux. C'est incroyable, je trouve ça super. J'ai ma protection d'écran private. Anti-maquerelle qui est arrivée. Dans ma boîte à lettres. Oui. Non, même pas. Moi, j'ai reçu un colis aussi hier. Hein. Le gars, il a jeté ça par-dessus bord. Regarde-moi ça. Je dois faire de l'escalade et tout. Bestioles là-dedans. Je suis sûre qu'il y a des bestioles. Ouf, très bonne initiative. Parce que je vous raconte pas, hein. Chez Blinks, toute l'année, ça part vite. Alors, quand c'est Black Friday ou quand c'est les soldes, laisse tomber. Alors, ça, c'est celle que j'ai reçue la semaine dernière. Je ne les ai pas encore sorties du paquet. Je vais les laver en machine, là. Donc, vous voyez, ça vient dans des pochettes comme ça, très soignées. Bon, je vais vous mettre là sur cette table-là. Je vais les ouvrir avec vous. Il faut que je les lave en machine avant de pouvoir les utiliser. Je vais vous montrer mes anciennes. Ça, c'est celles que je viens de recevoir. À ma taille, du coup, c'est plus pratique. Parce que moi, Moi, j'ai abusé, j'ai mis le sèche-linge sur certaines, donc je les ai abîmées. Franchement, vous pouvez les laver à 30 sans aucun souci, les filles, hein, mais évitez le sèche-linge. Ça évite de les faire rétrécir déjà. Hein. Déjà, elles ne taillent pas très grand. Donc voilà, moi, je prends du 40 chez eux, pour vous dire. Je fais un 38 de base, un médium, d'accord. Et chez eux, je fais un 40. Donc voilà. C'est parti, les filles, je vais vous montrer toutes les culottes que j'ai reçues. J'ai reçu des couleurs cette fois-ci. Donc là, j'ai la Marianne et la culotte qui se dégrave sur le côté. Je vais garder la Marianne dans mes mains. Vous la reconnaissez grâce à la dentelle qui est tout en haut de la culotte. Donc cette culotte, elle a été conçue pour les flux normaux, les filles. Donc, je vous le rappelle, les culottes menstruelles Blinks remplacent tampons, serviettes, vous évitent des shots toxiques et surtout, c'est meilleur pour votre santé et surtout pour votre confort. Donc, cette culotte vous protège de devant jusque derrière avec des couches assez épaisses pour éviter les fuites.
Je vous rappelle que ça vous évite aussi les mauvaises odeurs. Donc celle-ci, c'est la Serenity qui vous permet de la porter quand vous avez des gros flux. Donc ça, moi, c'est ce que je porte dans les débuts de flux. Elles sont hyper épaisses, c'est celles qui absorbent le mieux. Et sachez que ça absorbe encore plus quand vous êtes en mouvement et vous êtes hyper confortable. Pas de frottement au niveau de l'aine. Donc voici la rose. Donc ça, c'est un design différent. Je trouve qu'au niveau de l'absorption, elle protège aussi bien que la Serenity. Vous l'avez également en bleu. Ça, c'est la taille haute. Elle absorbe aussi bien que la Serenity aussi. Ça, c'est la rose que vous pouvez dégrafer sur le côté. Donc ça, c'est pratique quand vous êtes en extérieur, au boulot ou autre. Vous n'avez pas besoin de faire une gymnastique dans les toilettes pour enlever votre culotte. Voilà. Je l'ai reçue également en noir. Ça va bien être pratique. Et vous avez également le string pour les petits flux ou pour les fins de flux. C'est parti pour le crash test, les filles. Donc, on va commencer avec la Serenity. Donc, celle-ci, c'est celle pour les gros flux. Et plus vous êtes en mouvement, plus ça absorbe vite, je vous l'ai dit. Ça, c'est la Marianne pour les flux normaux. Pareil, en mouvement, regardez, ça absorbe hyper vite. Ça, c'est la taille haute. On passe à la culotte Jade. Pareil, je trouve qu'elle absorbe aussi bien que la Sérénité. Ça, c'est la Justine, celle qui se dégrafe sur le côté et que j'ai également en rose. Je vais repasser plusieurs couches d'eau pour vous montrer que les sopalins sont secs. Au préalable, sur le Tanga Luna, j'ai déjà mis de l'eau pour bien vous montrer que ça ne transperce vraiment pas. Regardez. J'ai mis de l'eau et de l'eau et de l'eau. Et ça ne mouille pas en dessous. Là, je remets de l'eau. Je vais en remettre. Attendez. Voilà, j'en remets dans toutes les culottes. Pour bien vous montrer. Voilà. Ah, j'en vois quand même l'eau assez brutale. J'espère que le crash test vous a plu. Donc, j'ai fait un truc un peu différent pour que vous ayez un peu un avis sur tous les modèles que vous pourrez retrouver sur le site. Là, vous le savez, le Black Friday, c'est les plus grosses offres. Donc, profitez-en. Pour être tranquille chez vous, je vous conseille d'en avoir minimum 6 des culottes si vous vous lancez dedans. Je vous conseille de tester le soir en tout premier. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est convaincant. Vous êtes trop confortable. Vous n'avez pas l'impression d'avoir vos règles. Bon, à part les douleurs de ventre, mais ça, on n'y peut rien. Mais au niveau du confort, pas de frottement sur laine, etc., etc. Donc, c'est super, super, super confortable. Et franchement, c'est hyper intéressant. Moi, je ne porte plus que ça. Ça fait plus de 4 ans maintenant. Et je suis très confort. Et autour de moi, tout le monde a adopté Blinks Underwear. Du moins les culottes menstruelles. Donc je vous laisse profiter de l'offre, d'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et puis autre chose, bah non, c'est tout. Une Serenity et une Marianne. Voilà, on est ensemble, comme ça vous connaissez toute ma vie. À mon avis, les haters, ils savaient déjà que j'ai eu mes règles en début de semaine.